est très souvent demandé par les imprimeurs. Il y a une bonne raison pour ça. Je vais vous l'expliquer. Fichier enregistré sous. Je vais choisir dans Illustrator de prendre en PDF. Donc, par exemple, ici. Je pourrais ici penser que tout est correct et parce que tout va bien ici. Mais sur résumé, j'ai rien. Alors, si je choisis la norme PDF X1A, soudain, je m'en vais dans le résumé et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit l'enregistrement de ce fichier exige l'aplatissement des éléments concernés avec la transparence. Donc, ça me permet de faire comme un genre de pre-flight, donc de vérifier si mon fichier contient des erreurs. Pourquoi? Bien, parce que le PDF X1A ne supporte aucun élément de transparence, aucun mode de fusion, en bref, tout ce qui pourrait causer des problèmes au niveau de l'impression commerciale. Donc, je vais faire annuler. Je vais aller régler ma situation. Donc, par exemple, ici, ça doit être cet élément-là qui me cause un souci, puisqu'il utilise la transparence. Et donc, dans Illustrator, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, soit je recommence le design, ou je pixelise donc mon objet ici, par exemple, en CMJN à 300 ppi avec un arrière-plan blanc. Du coup, bon, ça va le pixeliser, ça va être moins net que si c'était du vecteur, mais c'est quand même mieux qu'une erreur d'impression. Ce qui fait que la prochaine fois, ici, lorsque je vais faire enregistrer sous, ici, et que je vais choisir mon PDF, ici, je vais tout simplement choisir la norme PDF X1A, et lorsque je vais aller dans le résumé, param, j'ai plus de message d'erreur. Lorsqu'on choisit la norme X1A, évidemment, on ne va pas aller changer les paramètres de compression. C'est ce qui fait que c'est du PDF X1A, c'est que ça ne compresse pas notre image, ça garde la bonne qualité. On peut rajouter des fonds perdus, ça, y a rien qui nous empêche d'utiliser les fonds perdus avec les normes de fonds perdus du document. On n'aura pas d'erreur là-dessus. Au niveau de la sortie, ben, il faut laisser les normes de sortie comme telles. Parce que ce que ça fait, c'est que donc ça convertit dans l'espace CMJN de travail en US Web Coded, donc la norme de sortie la plus utilisée en Amérique du Nord et à moins de données contraires. Donc l'imprimeur qui demande un PDF X1A s'attend à recevoir ce PDF-là sans les avertissements qu'il pourrait y avoir ici. Alors, tout simplement, lorsque je fais enregistrer en PDF ici, j'ai un petit message d'erreur. Ce message d'erreur-là, ce qu'il me dit, c'est que c'est un fichier terminal, donc il ne faut pas que je pense à réouvrir mon fichier par après dans Illustrator pour le modifier. C'est quelque chose qui est terminal, mais c'est correct, je m'attendais à ça. Alors voilà, c'est ça la norme PDF X1A. Vous pouvez le retrouver dans Illustrator et dans InDesign, là, au niveau de l'enregistrement en PDF également, n'importe où vous utilisez le DSTE PDF.